Maître Paul Yomba Kourouma, avocat à la cour, celui du commandant Aboubacar Diakité d'Itumba. Merci de nous recevoir chez vous. Merci. Comme on le sait, vous êtes justement l'avocat de Toumba Diakité, qui a été inculpé pour plusieurs chefs d'accusation et il est placé en détention depuis 2016 à la maison centrale de Conakry. Dites-nous un peu plus, où en est-on sur son dossier? Oui, le dossier Aboubacar Diakité d'Itumba est à ce jour un dossier dormant. Il n'a connu aucune évolution, il stagne, il est considéré comme avoir été mis dans la poubelle de l'histoire. Les victimes de ces exactions risquent de ne pas bénéficier de justice ni de compensation. Les autorités judiciaires de notre pays sont muettes autour de ce dossier et ne veulent même pas l'évoquer. Il est renvoyé devant le tribunal criminel de Dixin il y a de cela 2 années. Aucun jugement, aucun début même de jugement n'a été entrepris par le ministère de la Justice. Sa détention préventive se trouve prolongée. Son mandat de dépôt, son titre de détention n'a pas été renouvelé. Sa détention à ce jour est arbitraire. Nous avons demandé aux différentes juridictions de notre pays compétentes en la matière d'en tirer des conséquences de droit. Elles ont été incapables de le faire, commencer par le tribunal de première instance de Dixin, en passant par la cour d'appel, jusqu'à la cour suprême qui, curieusement, la cour suprême saisie en matière d'urgence pour sanctionner cette violation des règles de procédure et de la loi commise par les magistrats instructeurs dans cette affaire qui, dans leur dessein d'isoler Toumba, ont fini par lui rendre un grand service en ne renouvelant pas son mandat de dépôt. La Cour suprême n'a même pas lu la première page de notre requête, à plus forte raison lui conférer une suite. Toumba se trouve aujourd'hui coincé dans les locaux de la maison centrale de Koronti. Son jugement n'est qu'hypothétique, il est aléatoire et il ne s'annonce pas. Les locaux devant abriter cette affaire sont en chantier et le ministre de la Justice, garde des Sceaux, avait promis que le mois de juin verrait l'ouverture de ce procès et que le bâtiment serait en état d'accueillir ses assises. Nous n'avons plus, en ce qui concerne Toumba, d'espoir quant à la justice guinéenne à connaître de ce dossier. Elle brille par son mutisme. Toumba développe déjà, comme vous l'avez toujours dit, une pathologie qui n'est pas du tout prise en charge par les autorités. Il est souffrant. Il souffre de quoi justement? Il souffre de la hernie de la ligne blanche qui requiert une intervention d'urgence et une expertise qu'on ne pourrait décéder ici. Et si elle existe, la technologie manque. Donc Toumba se gère lui-même, il procède par automédication. Et
il s'en tire tant comme il le peut. Et pour la dernière fois, quand est-ce que vous avez échangé pour la dernière fois et qu'est-ce qui en est justement de son état de santé actuellement? Nous sommes en contact constant avec Toumba, mais ces derniers temps, avec les risques de contagion que l'on court en fréquentant la maison centrale qui est devenue le siège même de cette épidémie qui a atteint beaucoup de détenus. Nous réservons quant à nous de le rencontrer, parce que lui-même, confiné depuis 3 ans, depuis bientôt 4 ans, cette épidémie lui pousse davantage à éviter même ses propres gardes qui, à ses yeux, constituent des facteurs de contamination parce qu'eux-mêmes en contact étroit dans les cales avec les différents détenus. Nous avions espéré les malades découvrir leur liberté, mais plutôt que de le faire, ils installent dans ces locaux déjà infestés par d'autres pathologies inconnues un centre de dépistage et de traitement des malades. Ce qui fait qu'à ce jour, la maison centrale n'est pas fréquentable. D'accord. Et qu'est-ce que vous demandez aux autorités concrètement quant à la situation de ces détenus? Nous ne pouvons plus faire recours qu'au chef de l'État, au premier magistrat de la nation, au président du Conseil supérieur de la magistrature, qui, nous savons, est très sensible à de pareilles situations s'il en est informé. Et nous voyons qu'il ne veut pas usurper les prérogatives dévolues au pouvoir judiciaire, mais la loi lui en confère la possibilité maintenant, parce que Toumba est inculpé au même titre que nombre de ses pairs qui, eux, sont en liberté. Certains ont bénéficié des promotions, des élévations dans les différentes sphères de l'administration publique, en sorte de sorte que Toumba, en obtenant une liberté, une mise en liberté, même provisoire, en attendant le procès, n'entravera pas la manifestation de la vérité dès lors que l'instruction est close, les personnes que les juges ont voulu entendre ont été entendues, même s'ils en ont omis l'essentiel. Nous demandons donc au chef de l'État de bien vouloir user de son impérium. Les personnes en charge de ce dossier ne voulant assumer aucune responsabilité pour crainte d'éventuelles représailles, oubliant qu'ils assument un sacerdoce qui connaît des risques aussi. Nous le demandons vraiment, un bon père de famille, de se pencher sur le cas Toumba. Toumba est une grande ressource militaire, un grand homme qui a coûté cher à l'État dans sa formation, qui a eu, à travers l'implication de l'État, à développer des dons, des talents, des aptitudes, des capacités militaires qu'il ne faut pas perdre. Donc, lui permettre de survivre, lui donner l'occasion de se soigner et de venir se défendre devant le tribunal serait vraiment le souhait de la défense. Toumba ne demande pas à ce jour une quelconque clémence de qui que ce soit. Il ne demande pas la grâce non plus. Il veut déposer publiquement, contradictoirement et devant l'instance judiciaire le masque qu'on lui a fait porter alors qu'il était absent du territoire. Les autorités, les hautes autorités militaires, les personnes inculpées, certaines même qui ont été
absoute à cause du fait que Toumba n'était pas là, lui ont accablé de toutes les charges, croyant que Toumba ne serait pas venu au bercail. Maintenant qu'il est là, il veut vraiment ôter le masque et veut un procès contradictoire, mais celui-ci ne peut avoir véritablement lieu que s'il jouit de la plénitude de sa santé, de ses facultés mentales, morales et spirituelles, de toute son envergure qu'on le connaît. Maître Paul Yombaleno, merci beaucoup. Oui, c'est moi que vous remerciez.